Aux Ouches, le grand dossier de l'urbanisme est la refonte du centre du village. Une nouvelle mairie a été construite, elle bénéficie des dernières technologies de l'habitat pour tendre vers un bâtiment basse consommation d'énergie dit BBC. Au début, on devait réhabiliter un ancien bâtiment et en cours de réalisation, bon, on a dit que la réhabilitation n'était pas possible. Et donc là, on a dit on va reconstruire un bâtiment, mais cette fois-ci, on va essayer de tendre vers le BBC. Et donc au cours de l'exécution, tout a été adapté pour tendre vers le BBC. Au début, on devait partir avec une chaufferie au gaz et on est parti avec une géothermie par puits verticaux. Donc on a créé 9 puits de 100 mètres. Je crois que la grosse économie du bâtiment vient de là. Après, on a surtout renforcé les isolations extérieures. Par rapport à l'ancienne mairie, déjà un confort. Maintenant, on arrive à une température à peu près constante dans tous les bureaux. Quand même, c'est quand même un confort. Quand on va au deuxième étage, on trouve à peu près la même température qu'on en a en bas, donc c'est quand même agréable. Et on fait une très grosse économie d'énergie par rapport à l'ancienne mairie. Et quand on fait le bilan de la mairie, on se retrouve avec une plus-value de 110 000 euros, qui correspond environ à 100 euros le mètre carré, puisqu'on a une surface de 100 mètres carrés. Donc c'est tout à fait acceptable. Ça représente 4% du montant total de l'opération. C'était une belle expérience parce qu'on s'est aperçu que sans des surcoûts extraordinaires, on tend quand même vers le BBC. Bon, maintenant, le BBC, c'est la règle. Donc maintenant, les élus veulent aller au-delà. Donc on essaye de tendre vers le passif, bâtiment passif. Donc on a un projet là qui correspond à la salle d'animation et quelques commerces. Et on va faire une salle de danse qui, avec les mêmes règles, on va demander à tendre vers le passif.